Un petit retour sur ce gâteau. OK, alors, Rémi Couture, voici, si vous n'avez pas peur de partager mon verre, le premier cocktail sans alcool tout à l'heure. Je voulais savoir si c'était un bon mélange avec le gâteau frigo. Il y a de la pomme, du maïs, un peu de liquide de pois chiche, un peu de cannelle. Bon. Ça me semble être un mariage assez parfait. C'est la cannelle qui n'est pas présente dans le gâteau, mais... Ça me semble un bon mariage. Alors, Étienne B., créateur de cocktail, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois-ci? C'est d'ailleurs très beau. Ben oui, je me suis attardé à le rendre cute avec une petite tranche d'orange déshydratée. Comment on fait ça? Parce que dans les bars, on nous en sert souvent, puis ouais. J'aimerais en faire. Ben, ça m'a pris un moment avant d'entrer sur ce train-là. Au début, lorsque l'agrume déshydratée est arrivée, mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que c'est vraiment une question de consommation. En plein milieu de l'hiver, pour un restaurant ou un bar, une caisse d'agrumes coûte une fortune. Donc, de faire ça, ben, ça nous apporte le côté visuel. J'ai vu d'ailleurs la manger, c'est pas terriblement bon. Ah, j'adore! Ah oui, vraiment. Il y a un petit côté amer, mais un déshydrateur. Ça prend ou un déshydrateur ou un four qui le fait. Souvent, moi, par exemple, je me suis rendu compte que mon four le faisait, mais en lisant le manuel d'instruction, c'est pas évident. Il n'y a pas de bouton qui le disait. Mais donc, ça se fait et ça fait en sorte que vous pouvez avoir quelque chose de joli au milieu du verre, qui sont très dispendieux. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette tranche dans le verre? Donc, c'est un petit cocktail à base de kombucha. Lorsqu'on parle de cocktail sans alcool, j'aime beaucoup utiliser le kombucha parce que c'est bon pour vous et c'est, ma foi, délicieux. Mais pour certaines personnes qui tuteraient un petit peu, qui trouveraient le goût un petit peu vinaigré et rébarbatif, brassez-le le verre. Au fond, vous allez avoir un petit peu de jus de lime, du miel d'automne, du jus de fraise. Encore une fois, je vois avec ma chasseuse. Allonger ça. Cette fois-ci, c'est le pécho.